Bonjour Carole, j'ai fait un burn-out il y a quelques temps maintenant, donc j'ai plus travaillé et là je reprends la semaine prochaine et je suis stressée, j'ai peur. Oui, bah c'est légitime, évidemment. Alors, on va t'aider. Alors, ce qui est très intéressant, je suis sûre que ça va vous surprendre. Je vais vous parler de l'huile essentielle de Palo Santo. Vous connaissez le Palo Santo, c'est un bois, vous savez, on l'utilise sous cette forme-là, d'un bois qu'on brûle, ça sent d'ailleurs très très bon, pour purifier la maison, voilà, tout votre intérieur, ça sent très bon. Et vous connaissez l'huile essentielle de Palo Santo, ça c'est beaucoup moins connu. Toujours, vous pouvez acheter auprès de Gaia Rome, d'Éric de Roest, hein, vous commandez, c'est de grande grande qualité. Alors, le Palo Santo, je vous dis un petit peu les vertus, mais surtout la vertu principale, c'est de s'y remettre, j'ai envie de dire. C'est de se remettre dans l'action, dans le tourbillon de la vie, je dirais, après un temps d'immobilisme forcé. Que ça a été par un burn-out, par un accident, par une période longue de chômage et que sais-je, et vous y remettez le pied à l'étrier. Et normal, on a le trac. Normal, on a peur de ne pas être à la hauteur, on manque de confiance. Et ça va vous aider beaucoup, beaucoup. C'est fait pour ça. Donc, comme d'habitude, hein, petite goutte d'huile dans la paume de main, vous frottez. Si vous pouvez, j'aime bien plante de pied, les quatre portes d'entrée énergétiques. Ça, c'est l'idéal. Au moins 3 fois par jour, vous respirez. Donc voilà ce qu'on en dit. Ça donne envie de se remettre en route après un temps d'immobilisme forcé par les accidents de la vie, par des croyances, des jugements, etc. Donc le Palo Santo, ça va vous donner la confiance, un sentiment d'être protégé indépendamment des circonstances extérieures. Et ça aide à percevoir l'invisible et l'impalpable. C'est la plante de la réalisation dans la matière, c'est intéressant. C'est la plante de la réussite, en fait. Hein? Même si vous passez un oral, un concours, moi j'aime bien toujours conseiller le laurier, soit en huile essentielle, soit une feuille de laurier, parce que le laurier, c'est la victoire, c'est la couronne des vainqueurs, vous savez. Mais le Palo Santo aussi, la réalisation dans la matière, le succès de votre examen, de votre oral, de votre concours, ça aide à recevoir les intuitions justes qui vous donne les moyens de créer, de réaliser ici-bas. Vous voyez, l'inspiration, voilà, c'est trop bien. Tout en purifiant des vieux schémas de croyances limitantes. C'est vraiment chouette. Ça sent très, très bon, purifier la maison. Je vous dis un petit peu aussi, les guérisseurs, les chamans brûlent pendant les cérémonies ce bois de cet arbre pour éloigner les mauvais esprits ainsi que les énergies négatives, pour purifier l'environnement des forces négatives et attirer les bons augures. Le Palo Santo amène la paix, l'harmonie à l'esprit et crée une énergie propice de prospérité, d'abondance. C'est la réussite, c'est le succès. Donc c'est vraiment intéressant de connaître tant l'huile essentielle que le bois. Hein, voilà, découvrez ces senteurs exotiques sublimes.